qui ça pourrait passer dans le Parlement et puis précisément dans la Chambre des députés à demain? Parce que c'est pour la première fois si séance ça a fait à une séance. C'est une tentative sous premier gouvernement tête calienne, nous connaissons qui n'est pas arrivé loin. Et vice-président séance dans la Chambre des députés, qui est député Tabarla, Caleb J. de Rameau, d'abord, il y a une décision, il fait qu'on ait une lettre que député accusateur, vous voyez, le président. Chambre des députés a pour mandel pour faire toute une série de invitations de personnalités dans l'état de grand commune de l'état qui ou bien actuel ou bien qui était occupé fonction dans cadre argument à chercher pour capable corriger ça on va dire pour accuser Jovenel Moïse en tant que président dans séance qui va le faire là mais selon député groupe député ça nous pourrait parler de séance yo et bien bureau a rejeté selon parlementaire. Député n'a pas respecté procédure dans ce qui concerne règlement intérieur à tracer dans Jean pour chambre député à fonctionner. Député de Rameau précisé l'être ça, il a considéré purement simplement comme une correspondance député au voyer dans chambre non, il dit bureau pas capable à écrire aucun monde pour inviter venir participer dans séance spéciale ça. N'attendez vice-président séance dans chambre député à député Caleb Deramo qui te parlé comme ça sous initiative ça dans micro Vilner Joseph et comme membre de bureau moi quoi collègue comme ça veut dire comme procédure si collègue écrit président li relevé de correspondance correspondance veut dire dans menu dans ordre du jour là vous côté qui gagne lecture de correspondance si on fait lecture de correspondance en séance lecture de correspondance ça pas engager rien moi même ça me connaît comme député et collègue accusateur connaît le tout. Le mieux que vous avez fait au lieu de correspondance, collègue, vous avez mieux, je vais faire une consultation à ces députés par exemple, il a mieux que vous venez dans la séance, vous faites une proposition dans l'assemblée, par devant l'assemblée, vous faites une proposition, vous faites un bureau pour que les gens souhaitent venir en séance. Maintenant, comme son proposition est faite, la proposition ça, le bureau ou le président de la séance pour le mettre en débat. Et après débat, à bon vote sous lui. Donc, cette histoire de correspondance, oui, son correspondance que bureau a recevoir, mais correspondance n'a pas engagé débat, parce que pour l'engager débat, il faut que collègues font proposition au niveau de la séance, et proposition pour aller en débat, et après débat, à bon vote. Bureau n'a pas fait suite tout autant que correspondance n'a pas libre devant l'Assemblée. Donc, c'est devant l'Assemblée pour le faire, parce que depuis son correspondance, nous connaissons comment la séance est faite déjà, si son correspondance, au début de la séance, il y a une correspondance. Mais nous-mêmes, comme parlementaires, nous reconnaissons, nous-mêmes, comme députés, son acte parlementaire que monsieur voulait poser. Si les collègues voulaient poser acte parlementaire là, eh bien, en débat, il a venu à faire proposition par devant l'Assemblée, et puis l'Assemblée a tranché. Voilà, rejet de débat ça. D'après ça, membre bureau, député Caleb Deramo précisé, donc pape Guéien, pile à paquet grand commis dans l'État ou bien ancien grand commis qui a vu défiler. Vice-président séance non, et Caleb J. Deramo annoncé cependant bureau l'il a donné prend toute disposition nécessaire pour permettre une séance mise en accusation Jovenel Moïse là bien déroulée demain mercredi. Représentant circonscription Tabac dans 50e législature fait qu'on est sous plan logistique, il y a un travail qui a fait, par exemple, on a fait de réparation système sonorisation, et il fait qu'on est bureau a déjà entendu avec la police pour garantir une sécurité dans la zone côté parlement sa Chita, une façon pour séance capable de dérouler, n'a pas cité dans tranquillité et respect la loi, n'a pas cité Caleb Deramo. Selon vice-président séance, pour séance démarrer, il y a besoin 60 députés qui se quorum, mais pour mise en accusation, et c'est ça, il y aurait une majorité qualifiée de 80 députés. Et ça, c'est défini dans la Constitution. Et n'attendez, député Caleb J. Deramo, toujours dans le micro, collaborateur nous, Vilner Joseph. Bon, profiter, annoncer ou bien informer l'opinion publique sur ça m'a fait dans la séance là. Moi, dans la séance là, m'a occupé de sonorisation dans la séance là qui vraiment non état défectueuse. En ce sens, le nous est dans la séance, député a braché micro-tribune, le nous est dans la séance, député a monté côté monsieur son a braché câble. Jodia, au niveau de bureau, m'obligé vinn là avec une compagnie privée pour venir faire sonorisation salle là parce que son qui dans salle là
Jodia, nous allons servir avec demain, son compagnie privée qui a fait mise en place pour sonorisation séance là et qui a tout servi tout pour sonorisation l'autre séance que nous avons. Les collègues dans la séance, ils ont arraché micro-tribune, ils ont jeté pipi, ils ont monté à la console, ils ont arraché câble. Donc Jodia, nous en réalité ça. Et il faut me dire, nous avons une réunion qui fait, et ça fait au niveau du bureau, il y a une question de remanier le règlement intérieur là. Donc au niveau de remaniement règlement intérieur là, on a pensé justement, l'on collègue décide d'écraser matériel dans la salle séance là, là il y a des responsabilités beaucoup plus directes. Deuxième niveau de responsabilité que nous prenons encore au niveau de BOA, c'est par rapport à la question de sécurité. Moi-même, moi parlé avec le directeur général de la police là. Directeur général de la police là, référé responsable sécurité, chambre des députés à DCPA. DCPA avec section sécurité dans la chambre des députés, n'a pris disposition pour espace parlement bien sécurisé. En ce sens que avons une délimitation, un périmètre de sécurité dès demain et un dispositif qui prend tout, même au niveau du personnel de la chambre des députés, les gens qui n'ont pas trop occupation demain. Donc c'est moi qui concerné par séance là qui a obligé qu'à rentrer dans enceinte parlement demain parce que déjà nous connaissons ça son séance spéciale. Séance spéciale ça veut dire il y a disposition spéciale qui doit prendre et au niveau de membres bureau tout le monde disposé nous connaît déjà député accusateur té li yon première partie de motif d'accusation hein. Yo té li député Manès qui té fait. Député accusateur a déposé motif d'accusation déjà par devant bureau. Donc au niveau de bureau, nous avons une bonne disposition demain pour tout collègue qui en séance joue une copie motif d'accusation hein, et puis pour entrer dans les débats. Nous même au niveau de membres du bureau, nous prévoit pour tout député à présent dès 10h dans la salle. Mais le secrétaire général a fait une invitation par les députés dès 9h pour nous commencer là. Parce que pas oublier son séance qui prend un pile débat là-dedans. Donc il faut que nous prenions de bonnes dispositions. Il faut ne pas venir tatou pour nous permettre la presse et le grand public assister à débat ça. Parce que quand même, c'est un acte parlementaire que la pied. Donc tout ça qu'a fait nos séances de débat, eh bien, il va le faire au niveau de séance à demain. Ce qui est la scénographie, dans le premier appel nominal, là, depuis que je viens de 60 députés, séance là pour ouvrir. Si dans le premier appel nominal, là, pas 60 députés, 30 minutes après, il y a pour reprendre appel nominal là. Si dans le deuxième appel nominal, là, pas 60 députés, pas un quorum, séance là pas fait. Dans qui phase n'a besoin 80 députés à que les deux tiers là? Phase 80 députés, là, c'est dans la phase le débat. Fin fait, le dit assemblée a satisfait. Donc si assemblée a satisfait, n'a pas passé au vote. C'est dans le vote là maintenant, nous avons besoin de 80 députés qui pour motif d'accusation. 80 députés là, c'est pour lier. Automatiquement, par 80 députés pour motif là, et bien motif là, l'a tombé. Au niveau de la presse que ça parlait, grand pile regroupement, grand pile secteur qui t'a voulu venir dans l'espace parlement pour venir envahir parlement ou bien pour eux-mêmes, pour eux essayer d'influencer le vote qui va le faire. Pas oublier, députés, c'est des hommes et des femmes d'État que vous avez. Les hommes et des femmes d'État ont une disposition qui doit prendre, un minimum de sécurité que nous devons faire et une tranquillité d'esprit que nous devons gagner. Donc, question de sécurité, c'est tout simplement question de prévention et de coordination. Voilà, c'est vice-président séance dans la chambre députée A, Caleb Deramo, député Tabala, dans le micro collaborateur non Vilner Joseph. Mais en attendant, il y a une simulation de séance ça qui fait, bien entendu, qui n'a pas rempli les conditions, mais qui est faite sous place publique. C'est un groupe qui est le tête-li parlement populaire haïtien. Une séance de simulation, ça veut dire comme si c'était un chambre député qui t'a agi, il était fait sous champ de masse non entre place de Saline et place Pétion sous champ de masse. Je dis on va même et séance mise en accusation, ça personne pas connaît même si l'a faite qui doit faite dans ça qui vient parlement haïtien en bicentenaire demain. Donc séance simulation comme si c'était et groupe citoyen ça yo qui t'a joué rôle député pour mettre Jovenel Moïse comme président en accusation pour crime haute trahison et sous quantité citoyens qui étaient présents dans séance symbolique ça t'a 105 qui votaient en faveur destitution Jovenel Moïse et dans séance simulation ça gain 4 qui votaient contre et puis t'a gain une qui fait abstention. Nous ne pouvons pas connaître si vous êtes arrivé à joindre et valet député qui correspond, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important.
ak vote symbolique ça majorité citoyen ça qui t'a joué rôle député dans ça les parlement populaire dit pas reconnaître Jovenel Moïse encore comme monde qui doit représenter nation parce que li ben en corruption quand très minoritaire 4 qui était en faveur quitte ce camp qui majoritaire 105 qui était contre lui débat était très agité d'après sa reporter nous te constaté sous place n'attendait motif mise en accusation contre Jovenel Moïse qui était fait symboliquement sous champ de masse journée jeudi dans ça le parlement populaire et parlement populaire ça te gagné tout un représentant symbolique de cité indépendance là qui est le Watson Jean-Baptiste et qui t'a fait mise en accusation dans séance que t'a fait sous champ de masse et une simulation n'attendait dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Vu l'article 136 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, veille au respect à l'exécution de la Constitution 87 et amendée, à la stabilité des institutions. Considérant que l'article 138 de la Constitution 87 et amendée, donnant au chef de l'État, est le garant de l'intégrité du territoire. Pourquoi les 7 hommes rudement armés après sur le sol Haïti, ils sont arrêtés par la police haïtienne, quelques heures plus tard libérés par l'État. Considérant que le président fait corps avec les anciennes autorités du pays qui ont pillé la caisse publique. Considérant que le Sénat haïtien, malgré sa faiblesse, a enquêté autour du gaspillage et vol de 4,2 milliards de dollars du Pétro-Caribé, considérant que le président suppose que la justice haïtienne joue son rôle. Considérant que la Cour supérieure des comptes est du contentieux administratif, le plus grand tribunal administratif du pays, dans son rapport sur le gaspillage du fonds Pétro-Caribé, le nom du président est cité 69 fois. Considérant que le président de la République vient au respect et à l'exécution de la constitution 47 et amendée, à la stabilité des institutions, pour minimiser le rapport du CFC-CA, il a déclaré dans un journal étranger, il va faire venir des autres experts pour faire un contre-rapport. Président, vini à qui on a fait caravane. Pourquoi de yon moun qui connaît combien de temps l'écoute à l'heure pour l'état joindre le document sur ça. Simplement, l'argent a gaspillé tandis que la loi dit tout comme qui doit dépenser dans l'état soit lui budgétisé. Depuis des massacres qui fait notre pays, sous gouvernance président Jovenel, Tankou, Kafoufeuille, La Saline et La Prié, ni organisation de moun, ni PCPJ, ni Nations Unies de reconnaître que de yon massacre sous moun La Saline. Jusqu'à présent, le président n'a jamais dit un livre sur ça. Tandis que le chien, le pourri dans notre pays, lui fait titre pour lui sympathiser avec eux. Bravo pour les haïtiens. Vive la constitution haïtienne. Voilà, c'est citoyen ça, Watson Jean-Baptiste, qui t'a joué rôle député qui représentait circonscription Gonaïve et qui t'a metté en accusation Jovenel Moïse dans séance symbolique ça sous champ de masse. Et dans simulation ça, et te gagné tout citoyen qui joue rôle et président chambre et député dans Kassa, c'est parlement populaire Eddy Pierre Charles qui fait connaître citoyen qui joue rôle député dans séance symbolique ça, yo pas reconnaître Jovenel Moïse comme président pays encore dans simulation ça, yo continuer pour dire dans jour qui a venir là. C'est un sénat symbolique, sénat populaire et cap gagné pour ériger tête li en haute cour de justice pour destituer et président tête Kalea. N'a invité au côté et séance symbolique ça qui était faite la veille, vraie séance qui doit faite dans chambre député a, n'a pas des citoyens Eddy Pierre Charles qui t'a joué rôle président chambre député a dans occasion simulation séance ça qui fait sous champ de masse toujours dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Décision qui sortit à l'issue de séance là, c'est que député ont voté pour mettre Jovenel en accusation et maintenant bureau parlement pas gain l'autre option pour faire c'est suivi. Nous espérons que nous pourrons le faire suivi hein, et Sénat de la République parlement populaire pour le convertir en haute cour de justice. Très bientôt, nous allons communiquer qui la séance ça n'est pas lieu en tant que président chambre des députés. Hein. Nous faisons devoir nous en tant que président chambre des députés
parce que député a été écrit nous pour nous mettre dans la navigation. Il fait du jour. Maintenant, il était pour nous faire suivre. Et là, je suis venu là, la communiqué la presse suivi. Et nous pourrons suivre ça pour acheminer vers le Sénat de la République, Parlement populaire. Nous-mêmes, personnellement, nous ne reconnaissons, selon le fait que je dis à Parlement populaire, pas reconnaître Jovenel Moïse comme président encore. Parce que le Parlement populaire, il représente la population haïtienne. La population haïtienne, coupé fâché avec elle. Puisque nous avons deux tiers, qui c'est 80, qui c'est 80 députés. Nous jouons 105 députés votés pour. Nous jouons une non voté contre. Nous jouons 4 qui votent, qui fait abstention. Mais je dis, le Parlement populaire, c'est pas reconnaître Jovenel en tant que président. Et la population haïtienne, pas reconnaître Jovenel Moïse en tant que président. Parce que la population, il débat nos mandats, nous prend position nous. Nous faisons ça, tout bagage fini. Voilà, exercice a été fait sous Sean Masdan, côté de citoyens qui regroupent Tetio, dans l'organisation qui est le Parlement populaire. Tu fait séance symbolique, ça, simulation ça, moins que 24 heures de temps, avant vraie séance qui supposée faite demain dans la Chambre députée. Et donc, il faut que nous disions que rien dans plusieurs pays, qu'on fait genre de activité ça yo la plupart du temps le tribunal populaire et qui sorti généralement dans organisation de gauche par exemple côté conduit d'institutions internationales tant que fonds monétaire international ou bien banque mondiale et pour politique y a mené dans pays tiers mondiaux généralement sous question dette là et yo kon faire de façon et vraiment et très documentée en pile travail tant que te gen yon qui t'est fait au Mali et qui était vraiment bien structuré, c'est un tribunal populaire contre institution.